Alors, petite vidéo de l'installation des crochets, comme je vous disais, de chez Action, hein, avec le pistolet à colle de chez Action. Vous faites en sorte que ce soit bien bouillant quand même. Donc, vous divisez ça en deux, donc 17, ça fait 8,5. Vous faites en sorte que le crochet ne se voie pas, vous centrez à peu près votre patte de fixation. Voilà. Donc là, vous voyez à peu près où c'est que c'est. Prenez de la colle, un truc tout bête, hein. Mettez pas une grosse dose hein, pour éviter, parce que j'ai fait un test tout à l'heure et ma femme m'a dit ah, maman, on voit, ça fait dégueulasse derrière, mais bon, après c'est un crochet de fixation et puis c'est de la colle. Vous prenez votre crochet et vous faites en sorte que ça sorte bien des trous comme je vous disais tout à l'heure. Hop, et vous pressez bien et vous faites en sorte que la patte de fixation ne déborde pas en haut, comme ça on voit rien. Donc voilà. Voilà, ça a pris quelques secondes. Et voilà, c'est fini. Après, vous allez dire, ah ouais, mais ça fait moche derrière. Bah, ça évite de faire autre chose derrière, quoi. Donc voilà. Le crochet est installé. On ne verra pas le clou. Ce sera limite parce qu'il y a le verre qui dépasse du carton. Donc comme ça ne se verra pas. Voilà ce que ça représente. Et on ne voit pas. Le clou ira pile poil là où il faut et ça ne se verra pas derrière. Vous voyez? On voit rien. Et j'ai mis la pointe vers le haut. On voit juste mon doigt et on voit pas la pointe. Voilà. Voilà, petite présentation de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'en ai encore deux autres à installer. C'est un truc tout bête, hein, que ça tient. La colle elle est fraîche, donc je me méfie quand même. Donc voilà, ça tient par le crochet. Voilà. C'est tout. Allez, je passe au suivant. Alors, petit crochet, faut que je les retrouve. Voilà. Alors, réglé 8,5 comme j'ai dit tout à l'heure. La colle est comme une bonne boule. Après, c'est le pistolet, il recrache. Hein. Voilà. La patte de fixation. Faites bien, vous écrasez bien. Par contre, ça crame un peu les doigts et ça colle un peu. Hein. Ça, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Et tout le surplus, vous pouvez le gratter un petit peu. Mais pas trop sur le carton, en fait, parce que je me suis aperçu tout à l'heure que j'ai gratté un peu trop fort et ça enlève tout le carton. Voilà. Après, vous allez dire, ouais, ça fait dégueulasse derrière, mais on s'en fout, c'est derrière, c'est pas devant. Ça évite d'acheter une colle spéciale, tout bordel, je vois pas l'intérêt. Mais... Pistolet à colle, ça suffit entièrement, de chez Action. Ouais, le crochet bouge plus. Donc il y a juste à nettoyer le surplus que vous voyez qui est un peu attaché sur les crochets. C'est surtout qu'il faut bien, comme je vous disais tout à l'heure, une fois que vous faites une bonne épaisseur de colle, vous écrasez bien et en fait, vous voyez les petits trous qu'il y a à l'intérieur, il faut que la colle ressorte et que ça s'étale. Et après, vous l'écrasez un peu avec les doigts, comme ça évite que le crochet se barre, quoi. C'est tout. Après, c'est pas un truc bien dur à faire. Hein. Vous voyez, le crochet il est installé, c'est fini. Et là, il bouge plus. Voilà. Suivant. Je me passe de commentaires, ça vous évite d'écouter mes conneries. Le dernier. Une bonne dose. Hop, le crochet. La division à 8,5. Vous écrasez bien que ça ressorte. Ça crame bien les doigts au passage. Et voilà, comme ça, on verra pas de clou à la fin. Et voilà, la petite parenthèse. Allez, salut les amis!